You are great, yes, you are born one. Walked upon the sea, raised a dead. You reign in majesty. Comme a dit le pasteur, une seule chose est nécessaire. Mon Dieu. Mais avant même d'entamer cela, par rapport au témoignage, alléluia. Les témoignages avaient déjà donné le résumé. Alléluia. Lorsque maman Nicole est passée, j'ai dit, mais Saint-Esprit, mais qu'est-ce que moi je vais prêcher? Alléluia. Car elles ont presque tout dit. Amen. Nous allons prendre, ouvrir nos Bibles. Dans les livres de Luc 10, c'est là où est tiré. Alléluia. Notre thème, Luc 10, 38 à 42. Je peux travailler avec quelqu'un, s'il vous plaît. Elle avait une sœur nommée Marie, qui s'étant assise au pied du Seigneur, écoutait sa parole. Marthe, occupée à divers soins domestiques, survint et dit, « Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma sœur me laisse seule pour servir? Dis-lui donc de m'aider. » Le Seigneur lui répondit, « Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera point ôtée. » Alléluia. Amen. Amen. Je vais lire dans la version des Derby. Alléluia. Amen. C'est là où j'ai médité. Et il dit, le verset 38 au verset 42, excusez-moi. Et il arriva. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut dire « et il arriva » Et il arriva. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Notre grand thème, c'est la rentrée scolaire. Alléluia. Amen. Et il arriva le mois de septembre. Mmh. Alléluia. Amen. Et il arriva. Comme ils étaient en chemin, il entra dans un village et une femme nommée Marthe le reçut dans sa maison. Et elle avait une sœur appelée Marie qui aussi s'étant assise au pied de Jésus, écoutait sa parole. Mais Marthe était distraite. Alléluia. Amen. Mais Marthe était distraite. Alléluia. Par beaucoup de services. Et étant venue à Jésus, elle dit, Seigneur, ne te soucie-tu pas de ce que ma sœur me laisse toute seule à servir. Dis-lui donc qu'elle m'aide. Et Jésus, lui répondant, dit, Marthe, Marthe, tu es en souci et tu te tourmentes de beaucoup de choses. Le verset 42, c'est là où est tiré notre thème. Alléluia. Amen. Mais Jésus lui dit, il n'est besoin que d'une seule. Alléluia. Alléluia. Et Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera pas ôtée. Alléluia. Amen. Dans la version Louis II, c'est écrit, une seule chose est nécessaire. Alléluia. Amen. Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part. Alléluia. Amen. Une seule chose. Qu'est-ce qui est nécessaire aujourd'hui? Alléluia. Amen. En écoutant les témoignages de maman, j'ai compris qu'il y a une chose qui est nécessaire dans notre vie ici sur la terre. Nous sommes tous de pèlerins. Alléluia. Amen. Mais nous avons une chose qui nous accompagne. Alléluia. Amen. D'ici au ciel, c'est Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Et Jésus dit, il est la parole. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ce matin, je vais parler aux parents. Ce matin, je vais parler, alléluia, Amen, à ceux à qui Dieu a confié une mission. Amen. Amen. En tant que parent, tu me diras, oui, je ne suis pas mariée, je n'ai pas d'enfant, mais tu as de neveux. Tu es parent. Tu me diras, je ne suis pas mariée, mais il y a des enfants à cette église, donc tu es parent. Alléluia. Amen. Je vais parler à deux catégories des chrétiens. Je vais parler aux Marthe
et au mari. Alléluia. Amen. La Bible dit ceci. Et il arriva. Nous revenons de vacances, n'est-ce pas? Alléluia. Amen. Oui, mais il y a beaucoup de mères qui se soucient d'acheter des fournitures scolaires. Alléluia. Amen. Mais ils ne se soucient pas de la chose qui est nécessaire pour la vie de leurs enfants. Ouh! De la chose qui est nécessaire pour leur vie. Alléluia. Amen. La Bible dit, et il arriva. Qui arriva? Et où? Alléluia. Amen. Et il arriva comme ils étaient en chemin. Est-ce que nous avons fini le mois de septembre? Non. Nous sommes sur le chemin. On est en chemin. Est-ce qu'on a fini l'année scolaire 2019-2020? Non. Cette année scolaire est en chemin, comme nous dit la Bible. Était en chemin. Mais ce qui était merveilleux dans cette histoire, c'est parce que Jésus est entré, pas dans toutes les maisons. Alléluia. Mais il est entré dans une maison. Et ce matin, que Jésus entre dans votre maison. Amen. C'est ça la chose nécessaire de votre vie. Ce matin, maman, c'est toi qui vas ouvrir, parce qu'il a dit dans sa parole, il frappe. Et si quelqu'un ouvre, et lui, il viendra souper. Dîne. Alléluia. Ce matin, nous sommes en train de dîner avec lui. Mais j'aimerais bien que ce matin, lorsque nous sortirons de ce lieu, que nous puissions rentrer avec lui. Alléluia. Amen. Dans nos maisons. Alléluia. Amen. Nous sommes le 1er septembre. Le 1er, normalement, c'est un chiffre qui est destiné à Dieu. Parce qu'il est le prémisse. Amen. Et je bénis Dieu. Parce que c'est le 1er septembre où nous dédions, nous allons consacrer, alléluia, cette année scolaire. Alléluia, à Dieu. Parce que cela est nécessaire. Alléluia. La Bible dit ceci. Et elle avait une sœur, Marthe avait une sœur, Marie, appelée Marie, qui aussi s'étant assise au pied de Jésus, écoutait sa parole. Alléluia. Amen. Comme nous ce matin. Alléluia. Amen. Nous sommes assis pour écouter sa parole, n'est-ce pas? Amen. Mais Marthe était distraite. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Marthe était distraite. C'est cet élément qui éloigne Christ de lui. La distraction. La distraction veut dire manque d'attention. Alléluia. Je pense que même en conduisant, si tu es distrait, tu auras un accident. Paul a dit dans Corinthiens, la nature ne nous enseigne-t-elle pas? Avant de chercher un sorcier, non, regarde-toi toi-même d'abord. Examine-toi d'abord. Est-ce que tu n'as pas été distraite quelque part? Alléluia. L'année scolaire qui vient de passer a eu ce haut et ses bas, n'est-ce pas? Ses défis et ses promesses et ses victoires. Mais est-ce que cette année qui commence, c'est que nous, en tant que parents ou nous, en tant que Marthe, nous sommes d'abord de Marthe avant d'être de Marie. Marthe, c'est elle qui est distraite. Marthe, c'est l'image des chrétiens qui connaissent Christ, qui a reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur, qui craint Dieu. Mais il y a une chose que Dieu est en train de parler à Marthe ce matin, qu'il éloigne la distraction. Alléluia. Amen. Et pourtant Christ était dans sa maison. Alléluia. Amen. Mais Christ, plutôt Marthe, n'a pas valorisé la présence de Jésus dans sa maison par rapport à sa sœur Marie. Alléluia. Amen. Et je pense même quand Lazare est mort, Jésus-Christ a dit, est-ce que Jésus s'est adressé à Marthe ou à Marie? Alléluia. Amen. Il lui a dit quoi?
si tu crois. Vous voyez? Alléluia. La distraction. Marthe pleurait. Mais Jésus s'est adressé à qui? À Marie. Parce qu'il y avait une parole qui était sortie. Alléluia. Dans leur maison. Marie, souviens-toi. Marie, souviens-toi. Alléluia. Ce qui est nécessaire dans notre vie, nous devons nous souvenir d'une parole de Christ. Alléluia. Une seule parole peut bouleverser ta vie. Une seule parole peut bouleverser. Alléluia. L'histoire de ta famille. Alléluia. Ce qui est nécessaire pour un chrétien, c'est savoir la parole. Une seule. Jésus a dit une seule chose est nécessaire. Alléluia. Jésus n'a pas dit deux. Jésus n'a pas dit trois. Jésus a dit une. Seulement une parole. Une parole. Si dans nos cœurs, on peut retenir qu'une seule parole. Et lorsqu'il y aura un danger, utilise cette épée. Écoutez, dans nos bras, y a pas, on a deux bras. Mais la Bible dit par rapport aux armes spirituelles, on n'a qu'une seule épée. On n'a pas deux épées, mais une seule épée. Alléluia. Une seule chose est nécessaire. Marthe, pourquoi es-tu distraite? Marthe est l'image des parents. C'est vrai qu'il se soucie de la rentrée. Qui se soucie, peut-être qu'il n'a pas encore tout acheté. Mais c'est que Marthe oublie. Tu as Christ avec toi. Écoutez les témoignages de papa de la maison. Alléluia. Le berger de la maison, il a demandé une seule chose à Dieu. Amen. Dieu lui a accordé. Alléluia. Alléluia. Amen. Mais et pourtant, Dieu écoute tout le monde. Marthe était là. Mais Marthe n'a pas valorisé Christ. Marthe était distraite. Alléluia. Est-ce qu'on peut lire 2 Timothée, s'il vous plaît? 1 Timothée 2. Verset 2. C'est ce que le parent oublie souvent tout au long de cette année scolaire. 1 Timothée 2, verset 2. Chapitre 2, verset 2. Pour le roi et pour tous ceux qui sont élevés en dignité. Pour le roi et pour tous ceux qui sont élevés en dignité, en autorité. Yes. Afin que nous menions une vie paisible et tranquille. Afin que nous menions une vie paisible, premièrement. Tranquille, deuxièmement, oui. En toute piété et honnêteté. La Bible dit piété et honnêteté, quatre choses. Alléluia. Yes, papa. Oui. Cela est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Alléluia. Car il n'y a qu'un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Si nous commençons au premier verset, la Bible dit, j'exhorte donc avant toute chose à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes. La Bible a mentionné, virgule, alléluia. Pour le roi et pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions. Alléluia. Amen. Oh, chrétiens, nous demandons beaucoup de choses à Dieu. Nous demandons des habits, nous demandons de mariage, nous demandons beaucoup le travail. Alléluia. Mais ce que nous oublions, une seule chose est nécessaire. C'est la prière pour toutes les autorités. Amen. Dans le pays où tu te trouves.
Alléluia. Amen. Priez pour les autorités. Priez pour toutes les autorités. Afin que tu puisses mener une vie paisible. Amen. Amen. Ce que j'aurais marqué pour nous en tant que parents, alléluia, en tant que chrétiens, je parle aux chrétiens, alléluia, amen, nous oublions de prier pour les enseignants. Nous oublions de prier pour les instituteurs. Nous oublions, alléluia, amen, nous sommes comme Marthe, distraite, alléluia, amen, par ce qui nous préoccupe, nous. Mais ce que tu oublies, si tu ne pries pas pour les autorités, il n'y aura pas la paix. Si tu ne pries pas pour les autorités, il n'y aura pas la tranquillité. Si tu ne pries pas pour les autorités, là où es-tu venu ton fils, là où es-tu venu tes neveux, alléluia. Amen. Amen. Non, il n'y aura pas. Alléluia. Amen. 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 Nous allons lire le dernier verset. Luc 10. Jean 10, 11 à 16. Je suis le bon berger. Jésus-Christ a dit, il est le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Il donne sa vie pour ses brebis. Mais le mercenaire qui n'est pas le berger. Ah, le mercenaire qui n'est pas le berger. Et à qui n'appartient pas les brebis. À qui n'appartient pas les brebis. Voit venir le loup. Voit venir le danger, les loups. Abandonne les brebis. Abandonne les brebis. Et prend la fuite. Et prend la fuite. Et le loup les ravit et les disperse. Et le loup les ravit et les disperse. Le mercenaire s'enfuit parce qu'il est mercenaire. Le mercenaire s'enfuit parce qu'il est mercenaire. Qu'il ne se met point en peine de brebis. Qu'il ne se met en peine de brebis. Je suis le bon berger. Je suis le bon berger. Je connais mes brebis. Je connais mes brebis. Elles me connaissent. Elles me connaissent. Comme le Père me connaît. Comme le Père me connaît. Et comme je connais le Père. Et comme je connais le Père. Et je donne ma vie pour mes brebis. Et je donne ma vie pour mes brebis. J'ai encore d'autres brebis. J'ai encore d'autres brebis. Qui ne sont pas de cette bergerie. Qui ne sont pas de cette bergerie. Celles-là, il faut que je les amène. Il faut qu'il les emmène. Elles entendront ma voix. Elles entendront la voix. Il y aura un seul troupeau. Il y aura un seul troupeau. Un seul berger. Un seul berger. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le bon berger. Amen. Amen, hein? Amen. Une seule chose est nécessaire. C'est avoir le bon berger. Oui. Amen. Écoutez, yes. dans les écoles de nos enfants, il y a des enseignants mercenaires. Mm. Alléluia. Mm. Le mercenaire est celui qui est là pour profiter que de son argent. Il s'en fout de l'éducation de ton fils. Il s'en fout de ses défauts. Il s'en fout de ses faiblesses. Alléluia. C'est un mercenaire. Mais maman, si tu ne pries pas, papa, si tu ne pries pas, alléluia, il y aura toujours la reconduite de la mauvaise réputation. Oui. Alléluia. Il faut prier pour chasser les esprits de mercenaires dans nos écoles. Amen. Alléluia. Amen. Il faut prier parce que le mercenaire peut voir un danger. La Bible dit, il voit les loups venir. Qu'est-ce qu'il fait? Il prend la fuite. Écoutez des fois ce que les parents nous disent, et plutôt les enseignants nous disent. Mais dans la classe ici, il y a combien d'enfants? Est-ce que je suis censée regarder que ton fils? C'est ça. Ça, c'est un mercenaire. Il n'a pas l'amour. Il n'a pas l'amour. Un mercenaire est celui qui n'a pas l'amour. Pourquoi es-tu enseignant? Pourquoi es-tu surveillant? Alléluia. Chrétien, priez. Alléluia. Demandez au bon berger. Alléluia. De chasser tout esprit de distraction. Premièrement par les autorités. Afin que nos enfants, alléluia, puissent avoir une rentrée paisible. Amen. Alléluia. Amen. Afin que nos enfants, alléluia, puissent avoir une rentrée honnête. Priez d'abord. Jean 10, 11 à 16. Vous avez le bon berger, mais vous ne savez pas
comment demander. La Bible dit on ne reçoit pas. On ne reçoit pas parce qu'on demande mal. Parce que nous ne prions pas selon la parole. Il est dans sa parole. Et il n'agit que selon sa parole. Alléluia. Comment est-ce que tu pries? Tu veux une autre dimension de Jésus? Tu veux voir une autre dimension de Christ? Yes. Dans la vie de tes enfants? Dans le résultat de cette fin de l'année en 2020? Tu veux voir que ton enfant puisse évoluer? Alléluia. Enlève la distraction. Amen. Ne sois pas des parents mercenaires comme Marthe. Marthe s'est occupée seulement de manger. Alléluia. Alléluia. Amen. Non, ne sois pas. Ne sois pas Marthe. Ce matin, enlève l'esprit de Marthe. Ce matin, ne sois pas un parent mercenaire qui ne laisse que la responsabilité au professeur. Alléluia. Non. Toi aussi, tu es le bon berger. Qu'est-ce que Christ nous a dit, papa? Soyez mes imitateurs. Alléluia. Si lui, il est le bon berger, nous devons l'imiter aussi. Alléluia. Nous devons l'imiter. Imiter Jésus. Un bon berger. Allez lire dans 1 Samuel 17. Vous saurez qui est le bon berger. Alléluia. 1 Samuel 17, 34 à 35. Vous verrez comment est-ce que David, dans le champ, alléluia, s'interposait. Amen. C'est ça le bon berger. Il allait arracher la brebis dans la gueule de lion. Qui es-tu pour aller arracher? La Bible dit un lion. Arracher la brebis. Qui es-tu si tu n'as pas l'Esprit Saint? Alléluia. Alléluia. Ce matin, le Saint-Esprit est venu pour nous parler que nous puissions enlever la distraction, s'il vous plaît. Vous voulez voir une autre dimension dans la vie de vos enfants ou dans ta vie toi-même? Parce que ce n'est pas seulement la rentrée scolaire, mais c'est la rentrée politique en même temps. Peut-être qu'il y a des lois qui vont être votées. Qui sera contre vous? Amen. Qui sera contre les chrétiens? Vous ne savez pas ce que le diable a manigancé. Christ a dit à Simon, 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 les diables veulent te cribler comme un alléluia froment. Amen. Mais moi j'ai prié. Yes. Une seule chose est nécessaire aujourd'hui. Amen. Alléluia. Amen. Élève la dimension de la prière dans ta maison. Afin d'écarter la distraction. Amen. Élève la dimension de la prière dans ta maison. Afin d'enlever l'esprit de mercenaire dans nos écoles. Amen. Élève la dimension de la prière dans ta maison. Afin d'enlever les loups ravisseurs. Amen. La Bible dit, les loups viennent ravir. Vous savez un loup, c'est un esprit qui viendra premièrement ravir ce que tu as. La paix. L'honnêteté, la joie. Il veut ravir ce que Christ a déposé en toi. Ça, c'est le loup. Et Christ nous les a déjà prévenus, avertis. Je vous ai mis dans un monde de loups. Nous sommes entourés de loups. Maintenant, regarde qui est loup entre eux. Qui est loup? Alléluia. Amen. Premièrement, le rôle de loup, il vient ravir. Et puis, disperser, c'est ce qui est écrit. Si tu ne confies pas ce matin, si tout au long de cette année, tu ne pries pas pour les autorités, il y aura des mercenaires. Le mercenaire, ce sont ces enseignants-là qui sont de PD, des pédophiles. Alléluia. Amen. Ce sont ceux-là qui viennent initier nos enfants dans les écoles. Ce matin, le Saint-Esprit est venu rappeler aux parents. Ce matin, le Saint-Esprit est venu rappeler aux chrétiens. Alléluia. Amen.
il y a une seule chose. Si je te pose la question, tu as eu le baptême, tu me diras oui, j'ai eu le baptême. Si je te pose la question, as-tu eu le Saint-Esprit, tu me diras oui. Alors je suis venu parler à ceux-là. Alléluia. Amen. Je suis venu parler aux chrétiens, aux parents qui connaissent le Saint-Esprit, à ceux-là qui crient nuit et jour à Jésus, comme Marthe, mais ils sont distraits. Alléluia. Amen. Premièrement, priez pour les autorités. Priez pour la classe. Priez aussi pour les enfants, parce qu'il y a des infiltrés. Il y a des enfants mercenaires aussi. Il y a des enfants loups aussi. Peut-être aussi la vie de ta fille ou de ton fils est différente parce que nos enfants ont deux vies. Ils sont calmes à la maison, mais ils sont agressifs. Il faut prier pour ça aussi. Alléluia. Es-tu Marthe ou Marie? As-tu choisi la bonne part ou tu te soucies de ce que tu veux que Dieu te donne? Est-ce que tu regardes les choses spirituelles? Parce que la paix, alléluia, c'est que Christ nous demande de demander d'abord les choses spirituelles, alléluia. Amen. Dans 1 Timothée 2, 2, ce sont des choses spirituelles, ce ne sont pas des choses terrestres. La paix, on ne le voit pas, elle est esprit. L'honnêteté, on ne le voit pas, elle est esprit, alléluia. La piété, on ne le voit pas, elle est esprit, alléluia. Et la tranquillité, ce sont des choses du royaume. Ce matin, je suis venu vous dire, demandez les choses du royaume. C'est l'esprit qui influence la terre. Alléluia. Amen. Que l'Éternel vous bénisse. Amen. You are great, yes, you are one, one. Walked upon the sea, raised at